Alors, il s'agit d'un pied d'ambroisie. Donc, on le reconnaît bien parce qu'il a beaucoup de poils sur la tige. Conséquence des grosses chaleurs de ces dernières semaines, l'ambroisie est en avance cette année. Si la pollinisation et les risques d'allergies qui vont avec ne devraient pas arriver avant un bon mois, la lutte contre la prolifération de cette plante a déjà débuté. Une nouvelle application smartphone vient d'être lancée en Rhône-Alpes où chacun est invité à signaler la présence de la plante. Quand on a constaté qu'il y avait de l'ambroisie, on part sur la fonction signaler. Donc on peut prendre la photo, on précise la zone de signalement et après on envoie. Le signalement repart vers la commune et le référent où l'ambroisie a été repérée. Le référent, c'est celui qui prend le relais sur le terrain. Ils sont environ 1500 sur la région Rhône-Alpes, de simples citoyens, des élus ou encore des employés municipaux, comme ici à Genas. C'est un devoir pour tout le monde d'arracher l'ambroisie ou au moins de le signaler pour éviter la prolifération, parce que dans un plan d'ambroisie, il y a énormément de graines qui s'échappent et du coup qui peuvent polliniser un grand nombre de parcelles. L'arrachage de la plante est une obligation pour les propriétaires des terrains concernés, en particulier pour les agriculteurs. En 2013, on estimait à 200 000 le nombre de Rhône-Alpins allergiques à l'ambroisie.